se soumettre en accord avec les politiques mises en œuvre, se soumettre à regret, sous la pression, ne pas se soumettre et se relever. Ainsi se résume désormais notre choix de vie. Les événements mondiaux vécus depuis 2020 amènent chacun à sa propre croisée des chemins. Ces deux dernières années ont eu le mérite d'éclairer notre vision de la France et de ses institutions. Ce chemin de conscience nous mène à présent aux choix les plus importants de toute une vie. L'exécution de cette politique mondiale, voulue par une poignée, la rend de plus en plus visible aujourd'hui pour ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire à sa base, vous mettez d'énormes mensonges qui orchestrent la peur, ensuite vous l'alimentez par un véritable terrorisme médiatique et ensuite vous imposez un mode de vie totalitaire par le biais d'organismes corrompus financés par les plus riches de la planète. C'est simple. Le faux prétexte sanitaire est utilisé à répétition, tout comme peut l'être le prétexte écologique, dans un contexte de pénurie organisée, qui vont très vite aggraver la situation pour mieux soumettre les populations. Les niveaux de corruption, mais aussi d'incompétence des institutions, des milieux politiques, des milieux médicaux, de la presse subventionnée, ont permis jusque-là cette mascarade. Face à un peuple médusé, hypnotisé par la propagande et diverses techniques d'ingénierie sociale conduites sur des décennies. La révélation est brutale pour beaucoup d'entre nous. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Faire le grand écart entre la peur de dire non et la liberté de choix n'est plus possible. Trop d'enjeux en sont tributaires. Il en va de l'avenir des générations qui nous suivent. Ce sont désormais deux modèles de société très différents qui se présentent à chacun de nous sans compromis. D'un côté, on nous annonce, au travers d'un nouvel ordre mondial, une société uniformisée de contrôle total des individus avec des visées transhumanistes. Celle que tentent d'imposer avec autorité les gouvernements des nations occidentales et leurs mentors, celles où les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre. Un modèle où toutes les libertés fondamentales, jusqu'à la dépossession d'éducation des enfants, seront perdues en échange d'une prise en charge du citoyen réduite à une dépendance croissante aux autorités par le biais de règles liberticides et de technologies intrusives. Cela peut séduire ceux qui céderont à la peur. D'un autre côté, est possible une société humaine bienveillante, où les peuples se rapprochent et ne sont plus les jouets souffrants de pratiques et de guerres fomentées par de médiocres intérêts privés, où leurs différences s'associent dans le bien commun qu'est la Terre dont ils assurent la pérennité, où la fraternité, l'éthique, l'intégrité, la dignité et le respect sont les fondements d'une société consciente. Les temps sont venus, nombre d'entre nous l'ont compris. Le choix n'est pas fait maintenant, avec détermination, les peuples d'Occident pour commencer, puis tous les autres connaîtront une dépopulation massive et une dictature planétaire comme on n'en a jamais vu. Ce n'est pas une théorie dite complotiste, c'est ce qu'ils nous annoncent très clairement. Tout cela est vérifiable par quiconque en fera l'effort. La France, en tant que nation, et par nation il faut entendre un esprit, une langue, une culture, un patrimoine né de cet esprit, et non une couleur politicienne. La France, donc, a été littéralement démantelée par les pouvoirs successifs au fil des ans. L'excès du pouvoir présidentiel y est unique en Europe et sa constitution est gravement violée depuis 2008. Une confusion croissante est entretenue sur ce que sont les valeurs de ce peuple, à commencer par le devoir inné de protection des plus vulnérables pour nos anciens et nos enfants. Le respect entre hommes et femmes, entre adultes et mineurs, entre l'humain et les autres règnes vivants, entre l'homme et la terre qui l'accueille. Il faut porter le regard haut, car c'est à ce niveau et pas en dessous que se situe aujourd'hui notre décision la plus importante. Ne nous arrêtons pas aux détails dont les politiques, les médias
et l'opposition contrôlée nous sature. Il n'y a aucun salut à ne regarder que le bout du doigt et non ce qu'il désigne. Allons-nous continuer à laisser grandir l'infamie jusqu'au point de non-retour? Où allons-nous dire non, une fois pour toutes? Chacun va-t-il continuer à regarder ailleurs, jusqu'à ce que l'ailleurs soit son présent, et qu'il sera trop tard? Ou chacun va-t-il enfin prendre la pleine mesure de ses responsabilités? Il existe un peuple de France dont l'héritage inné ou acquis coule dans ses veines. Il est prêt désormais à se lever pour restaurer sa souveraineté et arrêter dans leur course folle les sociopathes qui veulent pour lui écrasement, dégénérescence, contrôle et soumission. Nous leur avons laissé trop longtemps trop de pouvoir de nuire dans l'impunité de leurs actes. C'est à ce peuple-là que le grand appel est lancé. Il ne s'agit pas de se demander comment faire, car nous le savons. La solution n'est pas de manifester dans les rues pour réclamer. Parce que nous n'avons rien à réclamer, puisque nous ne leur sommes pas inféodés. C'est un terrain qu'ils contrôlent, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec la plus grande violence lors du long épisode des Gilets jaunes. Mais il existe un terrain qui n'est pas le leur, celui de l'intelligence collective du cœur. De nombreux réseaux existent aujourd'hui en France, constitués d'hommes et de femmes qui ont déjà fait leur choix de société, à travers la solidarité, le partage, les expériences, l'apprentissage, la transmission des savoirs, l'organisation locale, d'une manière qui soit respectueuse du vivant. L'ensemble couvre tout le territoire, ce qui signifie qu'il y a forcément quelque part, au niveau local, près de chez vous, au moins une de ces cellules de ce grand corps organique que beaucoup ont déjà rejoint. Nous appelons donc solennellement chacun à rallier le ou les réseaux de son choix. Nous appelons tous les réseaux et associations qui ne l'ont pas encore fait à se relier les uns aux autres, à se rencontrer au sein de leurs cellules locales et à organiser une communication de l'information entre eux. L'objectif n'est pas de se fédérer en une seule structure, ça nous rendrait vulnérables. Chacun doit garder ses spécificités et continuer à travailler comme on a l'habitude. Et par contre, ce qui est important, c'est que chaque réseau tisse un maillage territorial, physique, avec les autres pour que on voit apparaître des solidarités et une capacité de réaction rapide pour nous entraider quand le besoin s'en fera sentir. Il faut être clair, ceux des Français qui ne se soumettront pas à la tyrannie verront leur choix, souverain et légitime, impacter fortement leur mode de vie. Ils subiront probablement des pressions et des mesures de rétorsion plus qu'il n'y en a déjà. Cela demande du courage et un renoncement provisoire à quelques conforts. C'est le prix de la liberté et de la souveraineté. Mais il est évident que ce choix individuel ne sera possible qu'à travers la solidarité de tous. C'est à travers ces réseaux que nous la trouverons, car elle existe déjà sur le terrain et nous nous employons tous à la développer davantage. Plus personne ici ne sera seul pour faire face aux difficultés à venir à court terme et nous pourrons organiser correctement la protection des enfants et des plus vulnérables. Nous manifesterons ainsi la volonté d'un peuple qui se rassemble de plein droit dans une intention pacifique, dans le devoir et la détermination d'arrêter par son nombre et sa volonté la folie de quelques-uns. Car il est important que tous les corps de l'État, en qui demeurent des valeurs saines, voient émerger ce peuple souverain au sein de la confusion. Eux aussi sont désormais à l'heure des choix et devront choisir leur camp. Ne vous laissez pas démoraliser, ni démobiliser par les apparences, même si les choses deviennent plus difficiles pendant un certain temps. Un ferment des plus fertiles est déjà à l'œuvre dans ce pays, à travers des hommes et des femmes lucides et déterminés. Rejoignons-nous, rejoignez-les. Il ne reste qu'à nous rassembler. Nous savons le faire. L'heure est venue.
Thank you.
Chers amis internautes, bonsoir. D'abord, merci pour ce rappel de la marche de la liberté, plus que jamais d'actualité. Poursuivons, poursuivons. C'est un grand bonheur de vous retrouver ce soir, après une interruption bien involontaire de notre part, mais que nous avons utilisée pour nous améliorer. Dans ma dernière émission, je vous avais présenté le témoignage de Géraldine qui nous expliquait comment aller au-delà de nos peurs. Ce soir, c'est au travers de ses livres que mon invité va témoigner de sa résilience, de son courage pour avoir surmonté les défis d'une telle ampleur que je n'ai pas de mots assez forts pour définir une telle épreuve, ou du moins je n'arrive pas à choisir le bon mot. J'ai nommé Christine Devier-Joncourt. Bonsoir Christine. Ton micro était fermé. Ah. Voilà. Nous. Merci. Nous avons intitulé cette émission In Silico, qui est le titre de ton dernier livre. Sachez, chers amis, que ce terme est un terme informatique que Wikipédia définit comme un néologisme d'inspiration latine du style in homic, in vivo, in utero, etc. et qui désigne une recherche ou un essai effectué au moyen de calculs complexes, informatisés ou de modèles informatiques. C'est un terme qui est inventé depuis 1989. Il se réfère au silicium qui entre dans la composition des transistors et des ordinateurs. Alors ce roman, Christine, c'est un roman prémonitoire que tu as écrit en 2012 et qui m'a vraiment beaucoup émue, car il est écrit avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de poésie. On sent qu'il se nourrit de tes épreuves, mais il donne aussi la clé des moyens que tu as mis en œuvre pour survivre. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous aborderons ton dernier bébé, Lerwing, cher à ton cœur, et puis la musique, et puis la chanson, et bien sûr en filigrane, la politique. Et Éric Montana nous fera le plaisir de nous rejoindre quand il le jugera bon. Christine, est-ce que vous m'entendez là? Tu m'entends? Très bien. Oui, oui, très très bien. Très très bien, tout va bien. Peux-tu nous raconter la naissance de ton livre, In Silico? In Silico. In Silico a été écrit, c'est vieux, en 2012. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'écrire ce livre. Sans doute prémonitoire. Je sentais qu'il y avait des choses qui allaient probablement se produire. Donc j'ai écrit ce livre. Et il faut dire que avec tout ce que j'ai vécu en amont pendant tant d'années, comme certains disent, dans le ventre de la bête, j'en ai tellement vu, tellement entendu. Je crois que c'est des choses tellement fortes qu'on ne peut pas les rayer. Moi, je n'ai pas pu effacer complètement de ma mémoire et puis toutes les souffrances aussi. Donc, j'ai écrit ce livre et puis je l'ai laissé au fond d'un tiroir. Et un éditeur m'avait demandé si j'avais des choses. J'ai dit oui et je lui ai donné ce livre et tout de suite, il m'a dit « C'est tellement d'actualité, c'est vrai parce que dans ce livre, finalement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. » Mais je n'imaginais pas une seconde, quand je l'écrivais, que nous allions vivre ça. En fait, l'héroïne vit dans une ville expérimentale qui s'appelle In Silico. Et c'est l'horreur, quoi. Mais c'est l'horreur. Mais il y a plein de choses qui lui arrivent, ou là où elle vit, qui sont exactement ce que nous vivons depuis, quoi maintenant, 3-4 ans. Oui. Voilà. Donc, j'ai voulu quand elle aussi... est dans cette ville, elle découvre, elle s'émerveille de la carte, des cartes de paiement, de la cafetière. Ben oui, parce qu'ils vivent comme ça. Bon, elle travaille au ministère de la Surveillance, il y a le ministère de la Propagande. On me disait beaucoup, on m'a dit, mais vous vous êtes inspirée de Orwell. 1984. Je ne l'avais pas lu, alors du coup, j'ai comblé cette lacune. Mais ça n'a, en fait, il y a quand même autre chose dans le livre. C'est essayer de se sortir de ça, ce qu'elle va essayer de faire. Parce que c'est tellement dur. Voilà. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas non plus raconter l'histoire.
mais elle va rencontrer un homme qui va lui permettre de vivre autre chose, un peu dans le pays de rêve. Bon, alors, moi, dans le livre, l'héroïne y va vraiment, elle y va physiquement dans ce pays du rêve. Mais j'ai trouvé le moyen de l'y envoyer. Mais en fait, c'est très dur pour elle parce qu'elle va, avec cet homme, découvrir ce pays, cette vie, ces pays qui devraient être les pays dans lesquels on devrait vivre. Hein, ils nous ont tous abordés, mais c'est comme ça qu'on devait vivre. On devrait vivre. Et les retours dans In Silico sont de plus en plus redoutables pour elle. À la fin, elle perd même espoir et ses moyens. Je crois que ça la déstabilise beaucoup. Voilà. Ce qui est surprenant dans ton histoire, c'est que l'héroïne a la capacité de vivre à la fois dans le présent et dans l'imaginaire, en même temps et en toute conscience. Alors qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, il est tellement difficile de reconnaître la vérité ou la réalité qui est si. Et de s'extraire. Et de s'extraire aussi. Voilà, que les gens préfèrent rester dans l'illusion et refuser de voir et d'entendre ce qui se passe réellement. Oui. Et toi, tu nous plonges avec délice dans le monde des univers parallèles et tu vas de l'un à l'autre. En fait, c'est les pays de rêve. Mais je retiens toujours cette phrase de Gérard de Nerval que j'adore, où il dit « Je n'ai jamais pu percer sans trembler, sans frémir, ces portes de corne et d'ivoire qui nous séparent de l'invisible. » Et puis, vous savez, les rêves. Les rêves, c'est souvent deviennent réalité. Donc, je vais même vous donner un exemple des rêves, l'importance que ça a. Quand j'étais en prison, les gens de Fleury-Mérogis ont été la direction assez gentille avec moi. On m'a permis de travailler à la bibliothèque. Donc, à la bibliothèque, il y avait deux livres qui s'appelaient L'interprétation des rêves. Et ces livres étaient demandés par les filles. Elles avaient le droit de les garder en cellule seulement 2-3 jours. Il fallait les ramener. Et elles se battaient, elles mettaient des listes d'attente pour avoir ce livre, pour essayer de se sortir de ce tunnel, parce que je peux vous dire que Fleury-Mérogis, c'est un enfer. Pour essayer de s'en sortir ou se donner du courage ou se donner de l'espoir, elles avaient besoin de rêver, d'interpréter leurs rêves, trouver l'interprétation de leurs rêves. Donc le rêve est important et ça donne la force. Ce que je faisais d'ailleurs moi en prison, parce que vous savez, j'étais très malmenée par une certaine Eva Jolie qui n'était pas si jolie que ça et qui m'en a bavé des ronds de chapeau parce qu'elle voulait absolument que je lui donne des noms d'hommes politiques au placé et moi je ne donnais rien et pour deux raisons. La première, ça je peux vous le dire, parce que plein de gens m'ont demandé mais pourquoi vous ne les avez pas donnés pour que ça s'arrête, pour qu'elle arrête de vous, parce qu'elle m'a vraiment, pendant plusieurs années, hein, elle m'a vraiment, vraiment fait du mal. Je l'ai pas fait pour deux raisons. La première. Pour le raconter si tu l'avais fait, à mon avis. Oui, je ne sais pas. J'en sais rien, parce que après, j'ai tenu bon, mais après, j'ai quand même eu des contrats sur ma vie. Pour m'empêcher de parler, d'écrire et de faire toutes les plateaux télé pour raconter la corruption politique française. Bon, bref. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Et donc, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas donné ce nom? Alors, la première, c'est parce que moi, je connaissais de la justice française, je connaissais deux divorces. Voilà, c'est tout. Et là, j'ai découvert une autre justice. Une justice où on incarcère les gens pour les faire parler. C'est épouvantable. Ouais. Mais c'est épouvantable. Et ça a duré 6 mois avec des extractions tous les jours alors que
Normalement, on n'en fait qu'une par mois parce que c'est très dur, les extractions. Moi, c'était tous les jours. Tous les jours, levé à 5 heures du matin, je rentre à 10 heures du soir sans manger, dans des cellules, dans la souricière du palais de justice à Paris, dans le froid, je rentrais à 10 heures du soir, je n'avais pas de repas parce que j'arrivais trop tard, et puis c'était à chaque fois, Madame de Légencourt, on repartait le lendemain pour me faire parler. La deuxième raison, pourquoi je ne l'ai pas fait, ben je vais vous le dire. Si j'avais donné le nom, je prenais 10 ans de prison ferme parce que cet argent avait été viré sur un de mes comptes sans que je le sache, que je le demande. Quand j'ai découvert, je ne comprenais pas ce que c'était. On m'a fait comprendre pour qui c'était. Et donc, pour corruption de haut fonctionnaire, je prenais 10 ans. Donc, comme j'avais mes deux fils qui déjà en bavaient beaucoup et ma vieille mère qui n'en pouvait plus, je me suis tue. Pour ces deux raisons. D'abord parce que je n'imaginais pas que la justice ça puisse être ça en France et parce que je ne pouvais pas me permettre de refaire 10 ans de prison, je me serais suicidée là-bas. Voilà, donc je ne sais plus pourquoi on parlait de prison. Je crois que je n'ai jamais autant rêvé qu'en prison pour m'échapper. Ben oui, parce que il faut éviter, je pense qu'il fallait éviter de réfléchir. C'est Idriss Aberkane qui dit d'ailleurs que oui. Votre esprit est votre pire ennemi. À côté de ça, il y a Géraldine qui disait, mais on peut choisir ses pensées. Et pour toi, Christine, le rêve, c'est justement le luxe de la pensée. Et le luxe de la pensée, exactement. Et c'est important. Et c'est important de rêver. De rêver, mais même éveiller, de rêver une autre vie, de rêver autre chose que ce qui nous font vivre en ce moment. Parce que là, depuis 4 ans, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur pour les peuples. C'est une horreur. Si nous est tombé dessus, je le pressentais, vous savez, j'avais entendu, je l'ai déjà dit sur des interviews où j'avais déjà bien compris qu'il voulait parler de 80% de la population mondiale. Bon, je l'avais bien compris, mais en même temps, je me disais, c'est pas possible, c'est un fake, il plaisante, c'est pas possible. Ben non, il plaisantait pas. Mais j'avais toujours quand même ça dans la tête, et puis je les entendais parler, et puis je voyais comment ils se comportaient, je voyais aussi... Comment entre eux ils parlaient des citoyens, je veux dire, c'était pour eux, c'était très négatif et très péjoratif. Et y en a eu certains qui ont, comme Hollande, qui traitaient de sans-dents, de machin, quoi. J'ai toujours à cette époque l'impression que le peuple les dérangeait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que pendant tant d'années, on a cru, nous avons cru, que même moi, avant de rentrer dans ce milieu-là, on croyait que les politiques, les gens qui nous gouvernent, sont des gens qui veulent notre bien. Et on découvre là, maintenant, depuis quelques années, que c'est notre peau qu'ils veulent. Parce qu'ils sont en train de nous démolir totalement sur tous les plans. Je veux dire, il n'y a pas que la Covid, il y a tout. Ils sont en train de tout casser. Tout. En fait, ils l'avaient annoncé depuis longtemps, mais c'est nous qui ne savions pas le dire. Et toi, tu nous disais que tu avais assisté à bien des dîners, des déjeuners où tu étais. Bien sûr. Oui, il n'y a aucune différence. Je me rappelle de quelque chose qui m'avait terriblement choquée. C'est quand le dernier président. A commencé à se lancer dans la campagne. Il était allé en Camargue visiter, serrer la main des gens. Et quand il est rentré dans sa voiture, il a demandé tout de suite des serviettes mouillées pour se laver les mains. Non, on n'aime pas le peuple. Il n'aime pas le peuple. Celui d'aujourd'hui n'aime pas le peuple, n'aime pas la France non plus. Ah, je parlais de celui-là. Non, il n'aime pas. Enfin, celui-là, c'est spécial. Je veux dire que je ne crois plus aux élections.
Je pense que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont de simples marionnettes manipulées par. Ils sont dans la même ligne. Hein. Après les descendants, il y a les gens de rien. On rencontre que des nullités dans les halls de gare. On a tout entendu. Mais déjà, moi, à l'époque, j'entendais ça et ça me choquait vraiment. Je me disais, enfin, c'est pas possible. Il n'y avait pas. Je crois que ça a commencé à couler vraiment. Je crois que c'est à partir de. Après Chirac. On est tombé de Carré Bansilla. C'était la chute. Naïvement, on allait voter pour celui qui allait nous protéger et s'occuper de nous. Voilà, je pense que c'est ce qui va être. Je pense que c'est ce qui va être le plus difficile maintenant pour la population, pour les gens, c'est de réaliser que ce n'est pas leur bien qu'on veut. Là, maintenant, ils ont la preuve. En fait, maintenant, tout est open. Il faut que les gens comprennent... Ils sont cachés. Il faut que les gens comprennent que les politiques sont là pour faire, si on est en démocratie, ce dont je doute encore un peu, qu'ils sont là pour faire ce que l'on souhaite, ce que le peuple souhaite, et que c'est eux qui sont à notre service. C'est nous qui les payons. Oui, oui, bien sûr, c'est nous qui les payons. Oui. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on n'a aucun pouvoir. Il va falloir se réveiller, et sérieusement, parce que là, c'est la chute. Et dans cette ville de In Silico, ton héroïne ose narguer le gouvernement. En utilisant des artefacts, elle fait passer des messages subliminaux que le pouvoir avait interprété comme des incitations à la révolte. Oui, tout à fait. Elle se bat bien. C'est surtout, elle découvre un document où elle comprend que In Silico avait été créé pour transformer le peuple en robot, totalement. C'est ce que fait Monsieur Schwab. Hein, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Bill Gates et compagnie, c'est ça qu'ils veulent. C'est nous, on n'aurait plus rien d'humain. C'est fou que j'ai pensé à écrire ça à cette époque. Et donc, elle découvre ça. Et là, bien sûr, ça commence à mettre la peur au sommet du pouvoir et ça va tout renverser et à la fin c'est positif. C'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout du livre. À la fin, ça redonne un peu de courage. Mais page 72, tu fais dire à ton héroïne que notre système doit garder les apparences de la démocratie. Et pour les esclaves, l'amour de la servitude. C'est terrible. N'est-ce pas ce qu'on vit ? Absolument, absolument. Et ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne se réveillent pas assez suffisamment, en sont là, quoi. Ils vont finir par aimer leur servitude. Et ça, c'est très, très grave. Très, très grave. Il faut savoir dire non. Il aurait fallu, dès le début, dire non aux injections, non à ces confinements, non à ces masques. C'est terrible, il aurait fallu dès le début. Mais tout était bien mis en place pour les faire rentrer dans le troupeau de moutons. C'est malheureux. Tout est bien, la propagande à travers les médias mainstream a été, c'est tout le mal vient de là. Bien sûr, bien sûr. Il n'y aurait pas eu les médias, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, et puis aussi. Sans arrêt, mais sur toutes les ondes, Jackie, partout, toutes les ondes, les radios, bon, les télés, moi j'écoute pas la télé du tout, mais la radio, France Musique, moi j'écoute France Musique, il y avait des coupures pour dire mettez les masques, sortez pas de chez vous. Oui, c'était horrible, mais ça a terrorisé.
ça a terrorisé tout le monde. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les gens avaient tellement peur, ils étaient sidérés, ils n'ont pas osé dire non. On leur dit qu'il n'est pas trop tard pour le faire, parce que après tout, c'est la Boétie qui disait ça. Il avait 19 ans à l'époque, il disait il n'y a des bourreaux que parce qu'il y a des victimes. C'est-à-dire que si on dit non, il n'y a plus de bourreaux. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc il n'est pas trop tard, gardez espoir, mais dites non. Non. Non, non, faut dire non. Bien sûr. Mais là, je crois que ça commence à. Je le vois, moi, un peu dans mes campagnes, là autour. Au début, ils me demandaient si j'étais vaccinée. Ben, je disais non. Mais comment tu oses? Ne t'es pas vaccinée? Mais t'es folle? Voilà. Et là, aujourd'hui, je demande. Vous continuez les vaccins? Et là, on me répond, oh, ça suffit, là, maintenant, on en a assez. Donc, on dirait que déjà, il commence à... Mais bon, je suis entourée de gens dans mon petit village, paysans. Ce sont des gens qui ne regardent pas, qui n'ont pas Internet forcément, ou qui vont, ils regardent BFM TV, ils regardent les médias mainstream, donc c'est plus long à venir. Mais là, il commence à y avoir des morts dans mon pays. Ouais. Oui, mais... Là, je ne sais pas ailleurs, mais oui, bien sûr. Et des suicides, beaucoup. Oui, beaucoup. Et... Ce qui est terrible, c'est que les gens le constatent, mais n'osent faire encore aucune relation de cause à effet. Non, pas encore, mais ça va venir. Mais ça va venir. Malheureusement, l'hécatombe va continuer. Et dans ton livre, tu dis bien que le véritable bonheur, parce que l'héroïne est en quête de bonheur, elle a rencontré l'amour dans son parcours assez extraordinaire. Et le véritable bonheur sera la contemplation de celui qui triomphe à jamais de la mort et accorde la vie. Oui, tout à fait. C'est très beau, c'est très beau. Et tu fais un parallèle, tu poses aussi la question, peut-être la vie réelle est celle où nous ne serions pas ce que nous sommes, prendre possession du subconscient. Qui sait? Qui sait? Souvent, je me pose cette question. Est-ce que je peux lire le passage là de Chuang Tzu? C'est peut-être le moment. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, c'est page 133 du livre. C'est un jour, le philosophe Chuang Tzu s'endormit dans un jardin fleuri et fit un rêve. Il rêva qu'il était un très beau papillon. Le papillon vole çà et là jusqu'à l'épuisement. Puis, il s'endormit à son tour. Le papillon fit un rêve aussi. Il rêva qu'il était Chuang Tzu. À cet instant, Chuang Tzu se réveilla. Il ne savait point s'il était maintenant le véritable Chuang Tzu ou bien le Chuang Tzu du rêve du papillon. Il ne savait pas non plus si c'était lui qui avait rêvé du papillon ou le papillon qui avait rêvé de lui. J'adore ce passage. Merci. Je n'ai pas relu mon livre depuis longtemps, je l'avais oublié cette histoire. Oui. Mais c'est très joli. J'adore. En tout cas, j'espère que In Silico va donner du courage aux gens, parce que In Silico, ils sont dans cette ville, ils sont vraiment dans la douleur et la difficulté. Et à la fin, il y a une éclaircie et le soleil revient, parce qu'il n'y a pas de soleil sur In Silico. Mais tu sais, ça m'a fait penser à la citation suivante, je te dirai après qui c'est. Entre l'amour, le rêve, l'imagination. L'amour, tu sais, ce dont il a le plus besoin, c'est l'imagination. Il faut que chacun invente l'autre avec toutes ses forces et qu'il ne cède pas un pouce de terrain à la réalité. Alors là, lorsque deux imaginations se rencontrent, il n'y a rien de plus beau. C'est Romain Gary, c'est ça? C'est Romain Gary, ça ne m'étonne pas.
un grand amoureux. Oui, ce livre est extraordinaire. C'est un petit livre, pas très épais, très dense, très poétique, terrible, qui peut faire peur à certains moments, mais il y a toujours, on voit toujours le tunnel vers la lumière, on est aspiré par ça. Après, on se dit, oh, quand même, qu'est-ce qu'elle vit, cette pauvre héroïne. Mais elle rencontre l'amour. Ça donne envie. Et puis, mon Dieu, si on pouvait faire ça. Parce que j'ai trouvé le moyen de la faire partir. C'est magique. Elle, la Vénarde, elle y est physiquement dedans. C'est magique, grâce à une machine spéciale qui a été créée dans les Tilico à une époque, puis abandonnée parce qu'ils avaient décidé de... Ils voulaient rentrer dans les pensées de l'humain, des hommes. Ils voulaient pouvoir pénétrer à l'intérieur pour savoir. On n'en est pas loin aujourd'hui. Ça existe déjà, la DARPA, déjà fait ça. On n'y est pas loin. Ah ouais, mais c'est fou, hein, parce qu'il y a des coïncidences incroyables avec ce livre qui est vieux. Il y a quoi? Il y a 10 ans, 12 ans. Oui, c'est incroyable. Et donc, elle, dans cette machine qui dédouble l'humain, je ne le dis pas, il faut le lire. Elle arrive, et son premier voyage pour aller là-haut, ça fait rêver, quoi. Oui. Elle a cette cathédrale posée sur des nuages. Ah, c'est beau. L'escalier dans la lumière, et elle entend des chants d'enfants. Et en haut, il y a cet homme qu'il a invité à venir là, qui l'attend. Oh, elle monte ses escaliers. Alors Christine, tu as écrit de nombreux livres inspirés de ton vécu. Alors, oui. On en citer quelques-uns. Il y a « Ces messieurs qui nous gouvernent », »,« La putain de la République », hélas. Celui-là, c'est Eva Jolie qui a trouvé le titre, je la remercie. Oui. Relations publiques, ces messieurs d'en haut, opération Bravo, nuit blanche, corruption, une affaire d'État, relations publiques. Le meilleur, c'est corruption, une affaire d'État, pour connaître ce que j'ai vécu, c'est celui-là. Et il a été pilonné. Mais il en reste des gens qui, encore sur Amazon, on en trouve. Mais celui-là, c'était du... Les amants de la République, oui. Toi masculin, mon féminin, trio. Les amants maudits. Oui. Et là, j'aimerais qu'on parle de ton dernier bébé, qui est Lord Wing. Peut-être Eric va nous rejoindre. Et puis alors, tu l'as écrit en t'inspirant, en écoutant la musique que la régie vient de mettre. Et non seulement tu l'as écrit, mais tu l'as aussi illustré. Alors, tu vas nous en parler. Alors, dans ce livre, il y a trois tomes. Il est très lourd, d'ailleurs. Il y a trois tomes dans ce livre. Alors, ce livre, je t'explique. C'est parce que après être sortie de l'affaire judiciaire qu'on sait, j'ai eu un autre souci, c'est le fisc. Le fisc m'est tombé dessus. Et m'a saisi la maison de famille de 8 générations de paysans. Ma mère a déclenché un cancer, elle en est morte. Et là, il a fallu que je continue le combat, mais là, pour sauver ma maison, mais là, ça a été très, très dur. Et ma mère venait de mourir. Et là, ils allaient prendre la maison, puisqu'elle avait eu l'usufruit. Donc, ils allaient prendre la maison. Je me suis retrouvée en décembre, enterrée ma mère. Et un hiver froid, fermé dans la maison, j'ai mis des grilles au portail pour pas qu'ils viennent me saisir à la maison. Je m'en trouvais sur la place du village avec un sac à dos parce qu'ils prenaient même ce qu'il y a à l'intérieur, tous les souvenirs de 9 générations de paysans. Et là, ça a été l'horreur. J'avais en mars un procès contre le fisc et je savais que j'allais le perdre, donc c'était foutu. Alors mon fils à Paris, qui est dans la communication, m'a envoyé une palette graphique. Il m'a dit « Maman, essaie de t'occuper avec ça ». Alors je commençais à apprendre à dessiner sur la palette graphique, ce qui n'est pas facile. J'ai fait un dessin, deux dessins, 20 dessins pendant un mois.
Et puis là, je me dis, je peux gaver mon ordinateur, tous ces dessins, qu'est-ce que je peux faire? Et je dis, je vais écrire une histoire. Ouais, c'est un des dessins. Je vais écrire une histoire. Et comme je n'ai jamais, jamais pu inventer une histoire, même pour mes deux petits, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous dire, c'est presque un miracle. J'ai pris le premier dessin, j'ai donné un nom à la vieille dame qui tenait un bébé dans ses mains. J'ai donné un nom et je suis allée voir sur Internet, ce nom n'existait pas. Très bien, je prends le nom. Et au fur et à mesure, j'écrivais, l'histoire venait et les dessins, quand j'étais bloquée dans l'histoire, je suis partie sans plan, sans rien du tout, dans le flou, le nuage le plus total. J'écrivais, quand j'étais en panne d'écriture, je faisais un dessin, le dessin inspirait l'écriture. Et j'ai continué comme ça sur 300 pages. Et Mais il faut que vous sachiez, ma mère venait de mourir. Ouais, ma mère venait de mourir. Mon père était déjà mort depuis une dizaine d'années. Et mon père était artiste peintre et ma mère était prof de français. Ils ont dû voir, je veux y croire, c'est tout. Je dis peut-être des bêtises, mais je veux y croire. Parce que ce livre, c'est un miracle pour moi. Je ne sais même pas comment j'ai pu écrire ce truc. C'est venu du ciel. Je pense que mon père et ma mère ont vu que j'étais sur le point là, parce que s'ils m'avaient pris ma maison, j'avais menacé d'ailleurs que s'ils me prenaient ma maison, je m'immolais par le feu et je sortais des dossiers. Et là, ils ont eu peur et ils me l'ont rendu, la maison. Alors, c'est un livre d'aventure. Oui. Qui est teinté de mythes nordiques, délicatement illustré par toi. Et oui. Il y a plusieurs grilles de lecture, il y a plusieurs niveaux. Il peut être lu par les enfants comme un conte. Par les enfants, parce qu'il y a du mystère, parce qu'il y a, oui, il y a des sorciers, et pour les adultes, oui, parce qu'il y a un niveau supérieur. C'est pour tout le monde, oui. Et là, il y a le quatrième tome, alors tout seul, qui va sortir là au printemps, bientôt. Là, c'est fini, j'ai fini l'Orguin. Mais vous savez, l'Orguin m'a sauvé la vie. Ce l'Orguin, il m'a sauvé la vie. Alors, pourquoi dans les pays scandinaves, ça se passe dans les pays scandinaves, c'est parce que j'étais mariée à l'époque à Ralf Himilek, dont vous entendez la musique derrière et qui nous a offert la marche Freedom March qu'on a entendu en début, oui, et comme cadeau pour nous qui nous battons. Et donc, j'ai mis ces écouteurs et j'ai passé, il y avait 10 musiques qu'il avait écrites en 78, je crois, inspirées par Tolkien, bien avant qu'il y ait les films sur Tolkien, sur Le Seigneur des Anneaux. Et donc, cette musique m'a tellement inspirée. Alors, il y a probablement mes parents, je les en remercie, et la musique de Hal, qui est très inspirante, oui, et qui m'a inspiré tout ce livre de Lorwyn. Et c'est bon. Nous avons l'intention, d'ailleurs, je vais l'enregistrer, et on va en faire un livre vidéo, avec ma voix et la musique de Alf et les dessins. On fera un petit livret et puis il y aura ma voix. Ce sera, comment ça s'appelle, un audiobook. En communion. Ouais. Et ce livre m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais je me suis aussi déchaînée dessus parce que dans ce livre, il y a les méchants, les très méchants. Et je les ai appelés les notes, N-O-T-H. Voilà. Ça veut dire terreur, horreur, organisation, new, organisation, terreur, horreur. Voilà. Donc déjà, quand j'ai commencé à écrire ce livre, ben c'était en 2007-2008, c'est bien avant In Silico. Donc déjà, j'avais tout ça dans la tête. J'ai tellement entendu d'horreur. C'est l'histoire d'une renaissance. Le chevalier, ouais, Lorwyn t'a tendu la main. Oui. Est-ce qu'il est toujours près de toi? Oui. Alors, je ne peux plus écrire parce qu'il a démarré bébé dans les mains de cette vieille dame, cette vieille femme isolée dans des bois, dans la forêt de Saint-Yèbre.
Et puis il a grandi. Maintenant, c'est presque un homme. Dans le quatrième tome, il rencontre vraiment l'amour et il veut avoir des enfants. Et moi, je ne peux plus là. Je l'ai laissé sur la route, mais il est toujours là à mes côtés, oui. C'est lui qui m'a sauvé la peau. J'ai hâte de lire la suite. Je sais pas. Oh oui, le dernier est intéressant. Donc, j'ai pas abandonné l'orgueil. Il est toujours dans mes pensées. Éric, tu voulais nous rejoindre, Éric Montana, qui gère les images, qui met la musique, qui nous suit et qui voulait te poser des questions. Bonsoir, Éric. Ravie de vous retrouver, de te retrouver. On se tutoie tous. Oui. Content de te voir et content de te recevoir sur TVADP. C'est toujours un plaisir. J'ai pas osé vous déranger parce que j'étais très attentif à ce que vous disiez. Je veux juste souligner effectivement que cette musique que vous entendez en fond sonore est composée par Alf Emil Eik, qui est ton époux, ma chère Christine. Ce compositeur de grand talent de nationalité norvégienne qui nous a fait l'amitié de nous offrir sa musique pour la marche de la liberté et qui reste un événement extraordinaire pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est une belle aventure humaine que nous avons vécue tous ensemble. Et c'est pas fini. Mais aujourd'hui, justement, je parlais de ça avec une consoeur journaliste et je lui disais que le jour où j'ai proposé cette idée, j'en ai parlé à Pierre Barnérias et à Frédéric Vidal en lui disant « Écoutez, si vous me dites que ce n'est pas une bonne idée, je vous en remercierai parce que vous me rendrez du temps de vie. » Et au lieu de ça, évidemment, ce projet a enthousiasmé tout le monde et je suis heureux et fier d'y avoir participer avec vous tous, puisque Jackie était là, tu étais là. C'est une belle équipe en tout cas. Des dizaines de personnes qui nous ont rejoints et qui ont voulu participer à ce projet qui a pour objectif de redonner de l'optimisme aux gens qui souffrent en ce moment, et Dieu sait si on souffre depuis quelques années. Alors on va faire attention à ce qu'on dit, parce que ce soir on est exceptionnellement diffusé sur les réseaux mainstream et sur les réseaux libres. Alors sur les réseaux libres comme VK et Telegram, on risque pas grand-chose, mais sur les réseaux américains, vous savez que la censure, ça va avec une grande fermeté. Je fais déjà l'objet de deux avertissements sur YouTube. Le troisième, on me menace de fermer mon compte, ce qui m'en touchera une sans faire bouger l'autre, entre parenthèses, mais qui, évidemment, constituera un handicap pour la diffusion de la vérité. Je suis désolée, Eric, mais c'est peut-être dangereux avec moi, parce que vous savez que… Oui, je le sais. Conspiracy Watch en deuxième position. Oui. Je sais, tu as eu ta Légion d'honneur il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas oublié de la mettre, dommage. Voilà, courageux, Montana, tu es très courageux de me faire venir. Et encore, là, ce soir, tu parlais livre. Oui, tu as été raisonnable. On a été prudente. Oui, mais bon, tu es l'icône de la résistance et je sais que tu en as des choses à dire. Tu donnes du courage à ceux qui en manquent et de la foi à ceux qui l'ont perdu. Tu fais un travail extraordinaire dont je suis le premier témoin, puisque je partage certaines de tes publications. Tu es très active sur Telegram, où tu as plus de 15 000 followers, ce qui est incroyable, et sur VK, où tu exploses les compteurs. Je ne sais plus combien de milliers de personnes te suivent. C'est la preuve que ta parole est importante, qu'elle est suivie, qu'elle est écoutée. Et ce soir, évidemment, on est ravis de pouvoir t'entendre et t'interroger. Alors, vous avez abordé avec Jackie l'aspect littérature de ton parcours. Avec moi, si tu veux bien, on va parler un peu de politique, puisque en ce moment…
pour finir avec la littérature, Eric, j'aimerais aussi, c'est un livre important que j'ai préfacé, qui s'appelle Opération Covid, une conspiration criminelle, que tu as écrit. Et je vais faire un peu de pub pour moi, je vais mettre ça. Il faut vraiment. Merci. Non, mais c'est littérature ce soir, donc voilà, c'est vraiment important de le lire, et, parce qu'il y a des choses magnifiques. C'était une époque aussi, Eric, où tu étais sur Mediazone et tu faisais souvent, moi c'est comme ça que je t'ai rencontré, je suivais et je voyais cet homme, que je ne connaissais pas encore à l'époque, tout seul devant son écran pendant 2 heures, tout seul. Il était à la fin, on aurait pu pleurer, quoi, ce qui lui arrivait quelquefois. Et j'étais tellement touchée. Moi, je restais un peu dans l'ombre. Ça faisait un moment que j'avais arrêté tout ça. Et, ne me fais pas rougir, s'il te plaît. C'est lui qui m'a poussée. Mais si, elle va en profiter, tu ne peux pas répondre. Non, je faisais plus rien, quoi. Je faisais plus rien, j'écrivais plus rien. Et je publiais plus, surtout. J'écris, mais je publiais plus. J'en avais trop pris de coups. Et il me dit, mais il faut, reviens sur Mediazone et écris des quelques trucs, des articles. Bon, je me suis un peu fait tirer l'oreille, puis j'ai commencé le premier, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq. C'est vrai que c'est allé jusqu'au Canada, jusqu'au... On a fait du bon boulot, là, tous les deux. Et je me suis remise, voilà. Mais c'est vrai que je refuse beaucoup de... Voilà. Ici, je me sens en confiance. Je fais attention, quand même. Surtout mes fils derrière, qui n'aiment pas trop que je... Ils en ont trop bavé. Bon, je veux dire que... Moi, en tant que journaliste inconnu, hein, parce que je ne suis pas Patrick Poivre d'Arvor, quand tu as décidé de t'exprimer publiquement et que tu as souhaité le faire avec moi, la question que je t'ai posée, c'est mais pourquoi avec moi, Christine, il y a Xavier Azalbert de France Soir qui te déroule le tapis rouge, tu ferais mieux d'aller chez lui parce qu'il a bien plus d'audience que moi. Le malheureux, il faut qu'il... Non, non, mais je vais arranger ça avec... J'ai une raison que tu pourras lui transmettre. Oui. En tout cas, tu m'as dit textuellement que j'étais le journaliste qui t'inspirait le plus confiance. Alors oui. Pour moi, ça a été un jour de remise de Légion d'honneur. Et moi, de remise de pied à l'étrier. C'est ça. Donnant. C'est ça, et depuis on... Et on ne peut pas quitter, puisque Christine m'a fait l'amitié de venir passer une dizaine de jours ici en Italie avec moi, et on a pu passer des soirées et des nuits entières, hein, avec une bouteille de je ne sais plus, enfin. Oh là là, je l'ai tout raconté. C'est fou, parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire, que je n'ai pas dites, que je n'ai pas écrites. Et que je ne sais pas pourquoi, mais avec cet homme, il y a une de ces soirées, j'en ai raconté. Oh là là. Un jour, je ne suis plus là, il sera ma mémoire. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a des épisodes qui sont restés gravés dans ma mémoire, comme un dîner chez Attali. Ah ben celui-là, je l'ai sorti. Tu m'as raconté où ils évoquaient justement le plan de dépopulation mondiale. Alors, ce qui peut apparaître comme une fable à beaucoup de gens, Christine, elle, en a été témoin. Elle a assisté à des dîners où ces braves gens qui nous gouvernent évoquaient la manière dont ils allaient pouvoir éliminer une grande partie d'entre nous. Donc, ce que nous vivons est dans la continuité de ce qui s'était dit ce soir-là, Christine, non ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu Cathalie. Oui. Non, mais Jackie disait tout à l'heure, ces gens-là, c'est nous qui les payons, normalement, ils devraient être à notre service. Exactement. Alors, moi, tu sais ce que je pense de ce système. Eux qui se servent de nous pour s'enrichir.
Oui, voilà. Oui, c'est universel. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que l'argent, le pognon, c'est tout ce qu'ils veulent. Oui, parce que les indemnités... Ça a été enlevé. Ça a été, je crois que la loi, ils ont passé un décret et c'est fini. Mais moi, je me souviens d'aller dans des ministères et voir dans leur tiroir des liasses de billets de 500 francs non déclarés qu'on donnait au ministre. C'est immense. J'ai vu, moi, mon patron de Elf Aquitaine, Alfred Sirvin, avec, je l'ai raconté, je crois, avec en bas dans sa voiture, et il me dit, descends, tu vas m'aider. Alors, je descends, et puis il était là, fouillé dans sa voiture. Il avait dans le coffre un plaid, comme ça, il soulève le... Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Le coffre était plein de billets de 500 francs. J'ai dit, mais enfin, Alfred Sirvin, tu fais quoi avec ça? Il me dit, tais-toi, imbécile, je vais faire la tournée du laitier. Ouais. Je vais faire la tournée du laitier. Ouais. Oui, non, mais je pense... Une corruption. Épouvantable. C'est épouvantable. Ils n'ont... D'ailleurs, en fait, ce que je pense, c'est qu'on ne devrait pas mettre en place des ministres, des ministres, qui sont, dont c'est la profession... C'est pas normal. Ils en font leur profession. Je suis désolée, mais c'est pas normal. Et pour s'engraisser, vider les caisses. Parce que les indemnités ne constituent qu'un pourboire, ma chère Christine. Dans la fonction d'élu, ce ne sont pas les indemnités qui les rendent riches. Ouais. C'est la fonction. Et la fonction leur permet effectivement. Oui, tout à fait. Voilà. Je me souviens quand j'ai rencontré Alfred Sirvin, le premier dîner, c'était chez mon ex-mari Claude Joncourt. Quand on lui a demandé, il a commencé à parler un peu de lui, ce qu'il faisait, il disait où je suis. Il avait été patron de Moulinex, il avait un tas de trucs comme ça. Puis à la fin, il a dit où j'excelle. C'est en portant les valises. Alors ouais. Moi, je le regarde et je ne comprends pas à l'époque. Je tenais une galerie de peinture à Paris. Enfin, j'étais pas du tout dans ce. Je vous parle des années 87, 88. Et je lui dis, ah bon, mais c'est quoi ça, un porteur de valise? Il a dit, c'est un truc, il faut savoir le faire. Il y a une expérience. C'est pas évident. Et je lui dis, mais quoi? Il me dit, c'est distribuer le pognon à qui? Et il ne faut surtout pas se tromper. Mais se tromper de quoi? Et il nous a expliqué, devant mon ex-mari et moi, et ben, que quand on va porter une valise de pognon, enfin c'est grave ce que je dis là, je ne l'ai jamais dit, hein, je n'y ai écrit, que quand on va porter une valise de pognon liquide, il ne faut pas aller la donner directement à celui au destinataire, au placé. On les oublie. On les ouvre. Passer par des intermédiaires. Et c'est tout là, tout le travail, de ne pas se tromper. Donc, vous voyez un peu le travail, on est là. Oui. Et vous entendez ça. Et moi, j'ai commencé à entendre ces histoires en 87. Et alors après, j'en écrirai des livres. Ça se pratiquait dans l'industrie aussi, où les gens venaient avec des attachés de caisse et puis, ou des valises. Et puis en partant, ils oubliaient la valise, tout simplement. Enfin, les entreprises, ça va, mais ceux qui nous gouvernent, non. Je suis désolée. Non. Déjà, ils ont des salaires de folie. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez tous ces... Je ne vais pas le citer, mais... Ceux qui vivent jusqu'à 100 ans et qui ont garde du corps, voiture officielle, tous les voyages, les billets d'avion gratuits... Non, mais c'est nous qui payons. Oui, quelle différence avec les pays nordiques où les ministres utilisent l'autobus comme moyen de transport, facture de restaurant. Interrogatoire avec Eva Jolie. Elle n'arrêtait pas de... Bon, elle était contre, soi-disant, la corruption, mais enfin, elle était contre... Je ne vais pas le dire. Bon, elle n'était pas très claire non plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, elle me disait, Madame Fichoncourt, vous savez comment ça se passe chez nous, en Norvège? Je vais vous raconter une histoire récente. Il y a un ministre
qui est... la ministre qui a pris sa voiture et qui a fait de l'essence avec la carte de crédit du ministère. Le lendemain, il a été mis à la porte plein de nuit. C'est comme si c'était de ma faute. Moi, c'est de la corruption politique en France. On est tous dans le même sac. Bon, ok, c'est pas bon, mais c'est vrai qu'en Scandinavie, enfin, je veux dire, je vois pour la Norvège, ailleurs, Suède, tout ça, je sais pas, mais la Norvège. Hors de question, moi. Bon, mais Christine, ça, ouais. On le sait, on le sait. Les Français savent, dans leur grande majorité, que notre classe politique est corrompue, qu'elle accède au pouvoir pour se gaber, pour s'enrichir. C'est leur objectif numéro un. Mais là, on est passé à une phase supérieure. Ah oui, non, qu'ils, mais là, qu'ils non. Se gavent d'argent, qu'ils nous volent, qu'ils pillent le pays, ça, oui. On le sait depuis des années, et bizarrement, on continue à croire que c'est ça, le fonctionnement d'une démocratie. Moi, ça fait des années que j'explique que nous ne sommes ni dans un état de droit, ni dans une démocratie, parce que si nous étions dans un état de droit, ces gens-là devraient rendre des comptes. Or, on a bien vu avec Jérôme Cahuzac, qui était chargé de lutter contre la fraude fiscale, lui-même avait des comptes bancaires offshore. Donc, voilà. Si on n'a pas compris qu'on vit dans une fausse démocratie, on ne le comprendra jamais. Mais là où ça devient plus grave, c'est que désormais nos vies sont menacées. Désormais, c'est nous qu'on veut éradiquer. Alors, donner du pouvoir à des gens qui acceptent d'être complices d'un crime contre l'humanité, et je fais une petite parenthèse, demain se déroulera, dans un lieu dont je ne peux pas parler ce soir, une conférence de presse où il y aura essentiellement des médias indépendants. Conférence de presse qui sera donnée par un groupe de chercheurs, de scientifiques, de médecins, qui ont constitué un collectif international pour déposer une plainte à La Haye, devant le tribunal international de La Haye, pour crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité vise naturellement les gouvernements complices, puisque sans les gouvernements, ce que nous avons vécu depuis 3 ans n'aurait pas été possible. Mais il y a bien évidemment des concepteurs, des gens qui ont imaginé, qui ont bâti ce plan, et dont le président John Fitzgerald Kennedy avait parlé dans un discours historique au Waldorf Astoria. Astoria, oui. Voilà, où il parlait d'une conspiration monolithique qui était plus puissante que les États. À l'époque, cette révélation ne lui a pas porté chance, puisqu'une semaine plus tard, il était abattu à Dallas. Mais l'histoire humaine est longue, elle s'étale sur des milliers d'années. Nous sommes aujourd'hui dans la continuité du discours historique de Kennedy, où il nous mettait en garde contre cette conspiration monolithique qui visait à faire de l'humanité des esclaves. Alors non seulement on veut nous transformer en esclaves, mais pour être sûr que nous serons parfaitement soumis et obéissants, on utilise la technologie, on nous implante des nanopuces pour pouvoir gérer jusqu'à nos pensées, jusqu'à nos sentiments. Et là, c'est très grave. Alors évidemment, c'est difficile à concevoir pour l'esprit humain ce qu'on est en train de vivre. Toi comme moi, ma chère Christine, nous sommes traités de conspirationnistes. Mais on constate aujourd'hui, effectivement, quand des scientifiques, des chercheurs et des médecins se réunissent pour dire « nous sommes victimes d'un crime contre l'humanité, nous sommes dans le cadre d'un génocide », que les conspirationnistes, les complotistes que nous étions, n'avaient peut-être pas si tort, finalement. Alors, effectivement, il faut qu'on réussisse à faire face à cet événement incroyable dans l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est la première fois qu'une opération d'une telle ampleur nous vise. Ouais.
Jamais dans l'histoire, il n'y a eu un projet criminel de cette importance. Alors, le titre de l'émission, c'est « N'ayons plus peur, vivons ». Alors, effectivement, c'est difficile de vivre quand on a ce clou dans la tête en se disant « mais ces gens-là, qui sont censés nous protéger, sont complices d'un crime contre l'humanité, parce que finalement, ce groupuscule d'un millier d'individus qui considèrent être propriétaires de la planète veut décider de combien nous allons être. » Alors, je fais une parenthèse. Dans les années 2000, l'Union européenne avait publié une étude pour savoir combien de milliards de gens les ressources de la planète pourraient nourrir. Mais attention, à condition qu'elles soient distribuées équitablement. Eh bien, le chiffre va vous surprendre. 90 milliards d'individus pourraient être nourris si les ressources étaient partagées équitablement. Mais oui, nous en fûmes à tous les niveaux. Voilà. Alors, que des mensonges. Sarkozy est obsédé par la surpopulation. Toutes les conférences qu'il donne, il évoque la surpopulation comme la menace qui nous met tous en danger. Alors, moi, je dirais que si on devait commencer par éliminer des individus, je suggère qu'on commence par lui. Il ferait sa BA de l'année, peut-être la BA d'une vie, parce que comme individu nuisible, tu disais tout à l'heure que le pays a commencé à basculer après Chirac. Chirac n'était pas un ange, hein, il avait des comptes au Japon. Basculé. Oui, bien sûr. Bon, et c'est comme ça qu'il était tenu par le lobby qui n'existe pas et qu'il a obligé à reconnaître la responsabilité de la France dans les événements de la Seconde Guerre mondiale. Mais le pire a commencé avec Sarkozy, ça a continué avec Hollande. Et là, on a touché le fond, là. Voilà, un homme de gauche qui appelle les pauvres les sans-dents. Et puis là, on est arrivé au paroxysme. On a un individu cynique, complètement à la masse, parce qu'il disait il y a quelques jours qu'il allait finir comme Jésus-Christ ou un autre personnage. Ça existe, hein, les fous. Voilà. Mais lui, il a besoin d'être examiné, à mon avis, par des psychiatres. Quels sont les pays, je ne me souviens plus, c'est assez récent, qui incitent les personnes âgées au suicide et qui leur apportent toute l'aide nécessaire? Le Canada, je crois. C'est le Canada, voilà. Oui. C'est dingue. Oui, bon. Oui, on les appelle à se suicider s'ils ont réussi à échapper à tout ce qu'on veut leur injecter. Et de l'autre côté, à la naissance de la vie qui est déjà bien compromise, parce que où sont les naissances naturelles, il y en a de moins en moins. Le début de l'humanité est déjà bien compromis. Et puis toute la corruption qui existe, non pas que monétairement, quoique c'est lié, avec toute la pédocriminalité, tous les enfants qui sont sacrifiés si jeunes. Alors, les expériences sur les bébés, les avortements spontanés, tous ces pauvres bébés qu'on vaccine, dont les parents sont vaccinés et eux, s'ils ne meurent pas, ils ont plein de maladies. S'ils en réchappent, ils vont à l'école maternelle, on veut leur enseigner la sexualité à l'âge de 3-4 ans. Ce sont des drag queens qui viennent leur raconter des histoires. Les pauvres enfants sont traumatisés. Et les un petit peu plus âgés qui sortent du confinement, du masque, etc. C'est maintenant qu'on voit les dégâts de ça. D'abord, ils sont tristes, ils ont des problèmes psychologiques, ils se scarifient, s'ils n'ont pas mis fin à leur jour, il y en a qui se brûlent, qui se mettent des sacs sur la tête, enfin, ils font des choses atroces, et il y en a beaucoup, c'est une mode en ce moment, enfin une mode. C'est une épidémie, quoi. C'est terrible. Suicide d'adolescents, ces dernières années.
Ben oui, oui, oui. Alors, il y a notre amie historienne Marion Sigaud qui en parle beaucoup. Et puis, il y a un homme merveilleux qui se bat pour la cause des enfants et pour la pédocriminalité, c'est Morad El Attab aussi. Oui. Et il faut le soutenir. Non, ce monde est en train de devenir un enfer à cause de notre passivité, à cause de notre lâcheté et à cause de notre ignorance. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on dise stop et qu'on dise non. Et c'est ce que fait le professeur Christian Perron qui a décidé d'entrer dans une phase de résistance plus radicale. Active. Voilà. Il appelle désormais à la désobéissance civile, ce que nous faisons sur TVADP depuis le début. Voilà. Et je me réjouis de ça. Alors, on constate que ce pays a quand même des soubresauts en ce moment où nous occupe l'esprit avec la guerre en Ukraine et puis la réforme des retraites. Alors, il y a des gens qui proposent des solutions, qui disent on devrait faire ça, on devrait faire ci. Mais j'en viens toujours à la question basique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un état de non-droit? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une fausse démocratie? La première des choses, c'est rétablir l'état de droit, et seul le peuple peut le faire. Rétablir la démocratie, seul le peuple peut le faire. Chasser cette classe politique de corrompus et la remplacer par des citoyens intègres soumis à la surveillance d'un comité de citoyens. On pourrait effectivement remettre de l'ordre dans la maison. Mais pour l'instant, comment le faire, Eric? C'est ça le problème. Partout, moi, les gens me disent « Ok, on est d'accord, bien sûr, mais comment ?» Comment le faire? Les gens sont là, dessus, il y a les armées. Mais tu constates que les syndicats qui sont financés, subventionnés par l'État, proposent de bloquer l'économie. On va voir combien de temps vont durer ces grèves, ces opérations qui, effectivement, en ce moment, ralentissent l'économie. Mais je suis prêt à parier qu'au bout du compte, on va tous rentrer à la maison sagement et on aura oublié ce qui vient de se passer. Moi, je n'ose pas le dire sur cette antenne, ma position est plus radicale que la moyenne. Je sais qu'on ne peut pas discuter avec le diable. Le seul moyen de le chasser, c'est de le combattre. Malheureusement, vous constatez qu'il y a 2 mois ou 3 mois, le gouvernement a appelé les Français à rendre les armes qu'ils possèdent. Et ceux qui en possèdent... Que dans mon coin, personne ne les a rendus. Hein. Oui, mais d'accord. Mais je suis persuadé que... Il n'y en a pas un qui t'aille rendre son fusil. Nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Américains. Nous n'avons donc pas les moyens de nous défendre. Moi, je suis persuadé que les États-Unis sont destinés à une guerre civile, une guerre interne. Hein. Ce sera frère contre frère, inévitablement, et qu'à partir de là, peut-être qu'il y aura des soubresauts en Europe. Mais si l'étincelle ne part pas des États-Unis, j'ai bien peur qu'on soit obligé de se soumettre à l'arbitraire, à l'injustice et à tout ce qu'on nous inflige au quotidien. Toi, Christine, qui n'a pas ta langue dans ta poche, qu'est-ce que tu préconises comme réaction ? Écoute, moi je vais te dire, je suis catastrophée maintenant depuis 3 ans parce que à chaque fois je me dis, mais enfin c'est pas possible. Bon, ok. Pourquoi le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, l'Assemblée nationale, pourquoi tous ces gens suivent ? Mais c'est ça qui est fou. Ça, j'aimerais qu'on me dise, qu'on me donne la réponse. Pourquoi ? Ils sont corrompus. D'une part, ils sont corrompus, et d'autre part, les gens ne bougent pas. À ce point-là, c'est pas possible. Vous voilà. Vous rendez compte, et en plus, des gens qu'on paie pour bien bouffer, surtout au Sénat. On a découvert il y a 2 jours le nombre de ministres et d'élus actionnaires de Total. Alors, oui, j'ai vu ça. Il ne faut pas s'étonner si le prix de l'essence ne baisse pas. Mais qu'il n'y ait quelques-uns qui se battent au sein de ces, de, de,
au sein, au moins de, je sais pas, au moins du Sénat. Il n'y avait personne qui bouge, ils sont tous corrompus alors. Ou ils ont peur. Oui. Moi, si je peux me permettre. Vous savez que ça, je ne sais pas si ça se fait en France, mais vous savez qu'en Amérique, c'est. Bon, je l'ai lu partout, ça. Hein, pour tenir les gens au pouvoir, on les met dans des situations avec des petits-enfants, et on les filme. Et après. C'est ce qu'a fait Einstein. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a de ça en France? Alors, est-ce qu'ils sont tenus? Est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce que oui, pareil, parce que ce sont les mêmes circuits qui sont achetés ou on leur fait du chantage. J'essaie de comprendre. Oui. Moi, personne se levait au sein de ce pouvoir-là. Rien, aucune administration, rien. Et l'armée. L'armée. Mais regarde l'histoire. L'armée est là pour défendre son peuple. Pourquoi elle ne bouge pas ? Non, l'armée est là pour défendre le pouvoir, comme la police. L'armée n'est pas là pour protéger le peuple. Elle est là pour protéger le pouvoir. L'armée est là pour défendre son peuple. La police, c'est la même chose. Je ne sais pas, parce que tous les policiers sont quand même... plus ou moins un père de famille, ils ont des familles et ils subissent les mêmes inconvénients et la même chose que nous, quoi. Oui, mais ils peuvent rien faire. La même douleur, et ils peuvent rien faire, mais ils peuvent aussi se révolter. J'ai entendu il n'y a pas longtemps le général Pierre de Villiers. Je ne voudrais pas déformer ses propos, mais il pense comme nous. voilà. Alors lui, ceux qui sont à la retraite, ils sont d'accord avec nous. Ceux qui sont à la retraite. Mais ben oui, c'est pour ça, c'est on est ceux qui sont à la retraite. Regardez. Aux télé, comment la guerre en Ukraine dans cette tapis. Oui, mais justement, il faut qu'on se fasse entendre parce que justement, si on est à la retraite, on peut utiliser notre temps et pour combattre. Et tous ceux qui sont à la retraite maintenant sont quand même issus du baby boom. Hein, c'est quand même la génération la plus nombreuse. Bah, à nous de nous bouger. Et moi, je vois deux axes, enfin humblement, j'espère pas dire de bêtises, mais je pense qu'il faut que les gens se réunissent, se préparent à vivre des temps encore plus durs, voire même de la privation, mais tant pis, il faut qu'ils soient prêts, et puis pendant ce temps, aller harceler nos élus. Et si tout le monde bouge, et si tout le monde va les harceler, demander des changements de loi, etc., au début, ils nous diront non, ils riront, ils nous enverront promener. Mais si toute la population se bouge, on devrait y arriver. On est quand même les plus nombreux. J'ai eu récemment une conversation téléphonique avec un capitaine en active. Et je lui ai posé cette question. Je sais pourquoi personne ne bouge. Pourquoi vous ne bougez pas? Je ne parle pas des hauts gradés, on le sait, ceux-là, ils ne peuvent pas, et puis ils sont payés pour ça. Il m'a dit, mais on ne peut pas. Ah, mais je dis, pourquoi? Droit de réserve. Dans un état de non-droit, il parle de droit de réserve. Dans un état de non-droit, c'est ce que je lui ai répondu. Il m'a dit, on ne peut pas. Alors, c'est ridicule. Alors, c'est ridicule. Ben oui, voilà. Mais oui, mais c'est ce que tu entends, pourtant un mec qui en a marre aussi. On vit dans un état de non-droit et l'armée et la police veillent à ce que ça continue. Ça continue. Est-ce que ça, c'est logique? Non. Est-ce que ça, c'est la preuve que nous vivons dans une démocratie? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'huile sur le feu. Nous avons su, il y a deux jours, chez Bernard Claudel, dans son émission La parole au peuple, le général Costou. Oui, j'ai écouté. Oui. Qui est très intéressant, qui lui est plus optimiste que nous, mais je dirais qu'il a l'optimisme des retraités. C'est bien de penser, mais c'est mieux d'agir. Le problème, c'est qu'il n'est plus actif et que même s'il fait le même constat que nous, même s'il fait la même analyse de la situation, alors il ne propose pas de réponse concrète. Mais tu viens de cerner le problème, Christine.
Tu dis, pourquoi vous qui êtes armé, vous qui avez la possibilité de rétablir la justice, de rétablir l'état de droit, vous n'agissez pas? Eh bien, la réponse qu'il t'a donnée, c'est, nous sommes tenus par le droit de réserve. Alors, oui, tu es tenu par le droit de réserve quand tu es dans un état de droit. Quand tu es dans un état mafieux, n'en est plus. Ton droit et ton devoir le plus absolu, c'est de rétablir l'état de droit. Exactement. Et tant que nos militaires et nos policiers ne comprendront pas ça, ils seront les chiens de garde d'une tyrannie. Parce que nous vivons dans une tyrannie. Quand on voit comment sont réprimés les gens qui manifestent pour leurs droits, qui manifestent pacifiquement. Pacifiquement, comme si c'était des terroristes, comme si c'était des délinquants. Ils sont traités avec une violence inouïe dans un pays qui se prétend démocratique et où on a droit à la liberté d'expression et au droit de manifester. Nous avons toutes les preuves devant nous que nous ne sommes pas dans une démocratie, nous ne sommes pas dans un état de droit. Alors, il y a deux solutions. Soit on reste tous à la maison et on paralyse vraiment l'économie de ce pays, puisque ceux qui gouvernent ne sont que les domestiques du capital, et le capital ne verrait peut-être pas d'un bon œil un pays à l'arrêt où il n'y a plus d'argent qui rentre, et il les mettrait tous à la porte. Je ne suis pas sûr qu'on gagnerait au change, mais peut-être qu'il céderait un peu d'espace. Soit la seule réponse qui leur fera peur, mais elle fera tellement de victimes que peu d'entre nous y sont disposés. Moi, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai plus grand-chose à perdre, et je l'ai toujours dit, je n'ai pas peur de mourir criblé de balles. C'est une insurrection. Oui, mais c'est ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, une bonne guerre civile. Ils n'attendent que ça. Voilà. Oui. Tirer à balles réelles et se débarrasser un peu plus, ça finira le travail des injections. D'accord. On aura des morts, mais ils en auront aussi. Et nous sommes les plus nombreux, il ne faut pas l'oublier. C'est ça qui doit nous laisser de l'espoir. De l'espoir, de l'optimisme plutôt. Par rapport à l'époque où on travaillait ensemble sur Mediazone, ça commençait juste à alerter, à éveiller les gens. Il y a quand même eu de chemin de fait. Et je trouve que les gens s'éveillent de plus en plus. Moi, je le vois dans les commentaires, partout. Les gens sont éveillés. Les gens commencent à s'éveiller. Il reste quoi ? Ceux qui ne vont pas sur ce genre de médias, mais qui restent le nez bloqué sur BFM. Mais en même temps, ceux qui s'éveillent, c'est pour ça que c'est lent. Et ceux qui s'éveillent et tentent d'éveiller autour d'eux. Mais c'est long. C'est un travail comme celui qu'on a fait, nous tous, au début. Ça va s'étendre. Mais il faut patienter. Et là, je vais vous dire, le jour où vraiment, vraiment le peuple sera en totalité éveillé, je peux vous dire que là, ils feront comme dans In Silico. Ils prendront leur valoche et leur accepteront le navire. Mais c'est ça. Et ils nous débarrasseront de cette peste. On voit bien que ça change un peu et que ceux qui étaient complètement fermés commencent à réfléchir, puisque maintenant on arrive au paradoxe que toutes les personnes non injectées se plaignent auprès de nous en disant qu'on aurait dû les tenir au courant, puisque nous savions ce les qu'il injectés, y avait dans les non les injectés, Jackie, non, pas les non injectés. C'est ce que je dis, les injectés. Demande des comptes non injectés en disant pourquoi vous ne nous avez pas prévenu plus tôt. Ça avance, c'est assez paradoxal, mais ça avance. Moi, je pense que ça avance. Oui. Alors, il y a deux événements qui se sont produits, deux événements majeurs qui se sont produits, mais dans le flot d'actualité, malheureusement, les gens oublient vite.
Mais ouais. L'adjoint de Anthony Fauci, qui est quand même la pierre angulaire, si j'ose dire, la petite main, la principale petite main de la conspiration, Redfield a déclaré devant le Sénat que, contrairement à ce que Fauci avait déclaré devant Rand Paul, le sénateur, oui. Effectivement, Fauci a financé la recherche de gains oui. de fonction. Oui. Normalement, aux États-Unis, quand on ment devant une commission sénatoriale, on risque 70 ans de prison. Mm-hmm. Alors, si effectivement Fauci tombe, ce sera un premier signal fort. Oui, le deuxième, le deuxième événement majeur, c'est la divulgation, les messages WhatsApp du ministre Hancock, le ministre de la Santé britannique, qui oui. demandait à quel moment il devait propager le variant. Donc, ça confirme notre thèse à nous, les complotistes, qui disons que ce virus est balancé dans la population. Ce n'est pas, un virus issu du pangolin. C'est une arme biologique. Et le collectif de scientifiques qui a déposé plainte à la Haye pour crime contre l'humanité, qui va donner une conférence de presse demain, l'affirme. C'est une arme biologique qui a été utilisée par les gouvernements. Alors, oui, c'est dit maintenant. Voilà. Oui, c'est bien, ça avance. Ça qu'un, avance. Ministre, qu'un ministre, le ministre allemand qui dit maintenant l'exact contraire de ce qu'il disait avant, en disant non, non, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est 1 pour 100 000, maintenant il dit c'est 1 pour 25 000, et puis maintenant il dit... les injections sont de mauvaise qualité, on a vraiment trop de problèmes. Enfin bref, il dit l'exact contraire de tout ce qu'il a déclaré ces deux dernières années. Alors celui-là, il fait partie de ceux qu'on doit mettre sur la liste des futurs pendus, parce qu'il a plus sa place dans l'humanité. Alors quelqu'un disait ce matin, non, ce serait trop doux. Il faut les enfermer et qu'ils vivent enfermés avec des remords, à vie. C'est le problème, clair. C'est que ça va nous coûter des ronds de nourrir ces gens-là. Je ne suis pas disposé à payer des impôts pour les nourrir. Je crois qu'il faut qu'on soit conscient. Je crois que... Allez, ces satanistes sont en train de vivre la fin, là. Bon, Moi, j'en suis sûre. Il faut attendre, là. Ça bouge. Ce que tu viens de dire, mais il y a plein de choses qui bougent beaucoup. Déjà, ils sont en train de se casser la figure, les banques sont en faillite en Amérique. Je crois que déjà, ça va pas aller. Et je pense que, voilà, il a encore 2 ans le Biden. Voilà, je pense que quand le Biden sera parti, et j'espère peut-être avant, il y a des choses qui vont changer là-bas. Il faut qu'il se débarrasse de... Parce que lui, il est sous le contrôle de l'État. Les satanistes. Oui. Eric, garde ta note d'optimisme. J'espère qu'on te l'a un peu rendue. Et avant que l'on se sépare, j'aimerais beaucoup que l'on partage avec vous tous, chers internautes, une putain de chanson que j'écoute très souvent depuis que je la connais. J'ai la autour de moi et ce soir, j'aimerais la partager avec vous. On l'écoute ? Oui. C'est laquelle ? Qu'est-ce qu'elle femme ? Une femme. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle est magnifique, tu chantes. Alors, bien. Je chante avec mon Norvégien, on l'a fait ensemble. Le vent apporte les nuages de poussière et le temps efface les traces dans le cœur des blessures anciennes. Les herbes bleues qui sont légères toujours s'enfuient. Santé éphémère, toutes ces peines
et cette terrible peur de vivre. Il faut oublier. Une page tournée. Aucun destin au monde avec bonheur ne fait la ronde. Les herbes qui sont aide-moi à redevenir une femme. Une femme, tout simplement. Magnifique. C'est beau. C'est magnifique, vraiment. C'est. Je voulais vous dire. Je veux juste saluer Alf. Vas-y, qui nous regarde, qui est de l'autre côté de l'écran, oui. et lui dire à quel point je me réjouis de le recevoir ici bientôt parce qu'il est mon frère d'âme. C'est un garçon qui a un talent immense. Chaque fois que j'écoute ces musiques, j'ai la chair de poule. Oui, ça y réussit. Mais les paroles sont de Christine. Oui, on chante tous les deux, on s'est fait ça. Tous les deux. Il a fait la musique, il a enregistré, il a produit, et puis on chante en duo. C'est un immense compositeur, vraiment un talent incroyable, incroyable. Même la voix, même sa voix est extraordinaire. Ah, oui. C'est vraiment. On a des frissons à chaque fois. Oui, oui, absolument. Très, très belle chanson. Elle était prévue pour être dans les crédits d'un film de Frédéric Schindorfer qui racontait l'histoire que j'ai vécue, donc toute cette histoire. Et donc, il l'avait écoutée, il l'avait adorée, il avait dit je veux absolument cette chanson, donnez-la moi pour les crédits. À la fin du film, tu sais, quand le truc ça passe à la fin. Et malheureusement... Bon, il allait démarrer le tournage et le fisc a été envoyé dans la maison de prod. Il n'y a pas eu de film. C'est le troisième film qui est rappé.
Mais nous reste la chanson et la merveille. On va entendre parler de l'histoire de Elf, les frégates à Taïwan et de Viejonko. Ça, c'est. Faudra attendre encore un peu. Peut-être que je ne serai plus là quand le film va sortir. Dommage. Ouais. Il nous reste les belles chansons, la magnifique musique de Alf. Et c'est peut-être sur ces notes que l'on va se dire au revoir. Merci Christine. Merci Eric d'être là. Merci, chers amis. Merci, Jackie. Merci à toi. Et nous disons bonsoir et à bientôt dans une prochaine émission. Oui, ben oui. Merci Christine d'être venue. Ciao, au revoir. Merci puis, à vous. Je voudrais juste dire un mot à nos auditeurs. Notre télévision s'est arrêtée pendant quelques jours. Vous le savez, puisque je l'ai écrit sur les réseaux sociaux, j'ai eu un petit problème technique, comme dit mon ami Claude Janvier. Voilà, je suis passé au contrôle et pour l'instant, ils me disent que je peux encore rouler. Donc, je commence à récupérer mes moyens. Nous allons reprendre, donc nous avons repris la diffusion cette semaine, mais nous allons procéder autrement. Parce que jusqu'à présent, nous faisions des émissions non-stop qui duraient 6 à 8 heures. Et on se rend compte que sur Internet, en réalité, ce sont les formats courts que vous préférez. Donc, on va vous diffuser des capsules courtes. Ce soir, on a fait un peu plus long que d'habitude, mais on n'a pas le bonheur de recevoir Christine de Viejoncourt tous les jours. Donc, on s'est accordé un peu d'espace. Mais voilà, cette option va nous permettre de mettre sur notre site internet les replays, de manière à ce que vous puissiez regarder chaque émission qui vous intéresse ou que vous avez manqué. Individuellement, sans avoir à vous taper le visionnage de 6 heures ou de 8 heures de programme. J'espère et nous espérons tous ensemble que vous apprécierez. Je veux aussi profiter de ma présence ce soir dans ton émission, ma chère Jackie, pour saluer mon frère Bernard, Pierre Barnérias, qui sera demain à la conférence de presse, à Claude Janvier, qui est notre journaliste sur place, qui sera en présence de Jean-Michel Bernaché, de Kairos et de France Soir et de tous les médias indépendants qui, je l'espère, à partir de demain soir ou à partir de samedi soir, vont pouvoir vous communiquer des informations importantes sur ce qui se passe parce qu'il est hors de question qu'ils s'en tirent à bon compte. Nous n'oublions pas et nous ne pardonnons pas. Et dire non. Ni pardon, ni oubli. Non, voilà. C'est non. Et savoir dire non. À bientôt, Christine. Merci, Jackie. Merci infiniment de ton accueil. Merci à vous. Au revoir, Christine. Merci à toi. Bonsoir, ciao. Tout le monde. Bonsoir. Ciao.